What's up guys, Power Julien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play sur le BioShock 2. Donc on continue, on va dans un endroit le parc avec des pauvres poissons. Sophia Lamb, l'ami. Elle s'en servait comme une sorte de laboratoire secret pour mener ses expériences sociologiques. Une nuit, l'endroit a été inondé et tous ses invités sont morts. Selon la presse, c'était une histoire de secte. Retrouve-moi dans la station, d'accord ? Nous avons ici donc les poissons les mieux faits au monde. Putain, des phases, des trucs, ils arrêtent pas de saucer. Donc, ben, où je vais? J'ai encore un putain de rhume de mes couilles. Alors ça, je pense que je vous ai déjà raconté. C'est à cause de l'air climatisé. C'est totalement chiant. Alors on va rejoindre Sinclair à la station. Ok. Wow. C'est quoi ça? Oh non, ils vont pas me refaire les phases avec les mecs qui se téléportent là. Putain. Oh non, pas lui, je le déteste. C'est affreux de combattre ces trucs. Putain, je vais péter des câbles. Alors là, il n'y a rien à récupérer. Continuons vers l'enfer. Oui, non, je ne t'ai pas vu, c'est pas vrai. Absinthe, Sélène, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte d'alcool louche, je ne sais pas. Moi, je ramasse tout et souvent, je me bourre la gueule parce qu'il y a des trucs, je ne sais même pas si c'est de l'alcool, des médicaments ou une sorte de... d'eau de toilette même. On va pirater ça. Je pense que... Ouais, j'ai fait le malin. C'est pas grave, vite. Ah, ça ment. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Non, j'ai pas réussi, d'accord, c'est pas grave. Donc toi déjà, robot, tu es à moi, robot. Oh putain, mais comment les hacks deviennent difficiles. Wow, ils font les fous là. Tiens, ta mère. Pirater. Hop. Tiens, j'ai toute ma vie. Ah, encore des robots. Je suis pas d'accord. On ne peut pas le pirater, j'ai trop de robots. Non. Mais arrêtez. Crève. Je ne piraterai plus rien, je vous jure. Mais c'est pas possible. Dégage. Putain, mais regardez ce piratage, comme il est ultra dur. Tant pis, je vais acheter sans pirater, hein. C'est trop risqué cette merde. Et voilà. En plus, quand tu pirates, tu peux pas récupérer les objets qu'il y a à l'intérieur. Déjà, moi, ça de base, je suis dans la merde comme ça, mais je le... en vain, je récupère tout ce qu'il y a dedans et je dis gaze, allez, je me tire. Je sais pas, genre, hop, je mets des dollars, merci bien. Mon cul, ouais, tu défonces la machine, tu récupères tout. Alors là, on va où? Là, il y a des coraux. Pas ici. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Tuez-les. Oh la salope, elle doit se téléporter. Ah non, c'est une sorte de putain de. Non, elle se téléporte. Mais elle lance des grenades en plus, comme si c'était pas déjà assez puissant. Et lui, je te connasse. Allez, les robots, ne vous arrêtez pas. Putain, mais tu vas mourir. Tiens. C'est moi qui ai eu le beau rôle, j'étais terminé. Ah, elle avait une trousse de soin sur elle, on va utiliser celle-là, voilà. Et hop. Voilà. Il y a des trucs ici. Sa mort sera notre renaissance. La vie d'Eléanor est entre vos mains. Ouais. J'adore les messages que tu fais passer. Par ici. En tout cas, elle veut ma vie, hein. Elle veut vraiment me buter. Non, la caméra, tu ne m'as pas vu, c'est pas vrai, je m'en vais très loin. Là, de toute façon, il y avait le truc pour arrêter la sécurité au pire. Hop. Putain. Alors ça, c'était la mort de merde. Oh putain, ils sont là. Tac. Bim, headshot. Oh là là. Je crois qu'elle m'a pas remarqué. Enfin, il m'a pas remarqué l'autre con, là. Mais les robots, faites attention là! Je suis discret moi au moins. Oh, je me baisse. Voilà, il a vraiment pas remarqué ce qu'on peut. Ah si! Oh là, salaud! Mais tu vas mourir! Tiens, dégage, allez, va loin! Oh, putain, cette visée, je la déteste. En plus, on vise en appuyant sur R3 quand même. Le truc, je vous jure, c'est un peu dépaysant quoi. Mais arrête de viser, voilà! Quand je recharge, je peux pas arrêter de viser, c'est totalement chiant. Je pense que je vais plus viser de ma vie, c'est terminé. C'est tellement pourri ce plan. Alors là, on récupère. Ensuite, toi, voilà. Merci pour les deux petits dollars. Oh, un journal. Et elle, on va récupérer le harpon. Oh là là. Oh, comment ça doit faire mal. Allez, tombe. Ultra swag. Enfin, j'adore cet effet que justement, quand on retient le harpon, le corps tombe. C'est trop stylé, j'adore. Alors, par ici. Ah, super, un jardin des glaneuses. C'est que je nous ai trouvé un nouveau train.
La mauvaise, c'est que la station est encore bouclée et qu'on n'est pas seul ici. Alors, amélioration de santé, amélioration d'Eve, et on n'achète rien d'autre. Je vois une ombre dans le poste de sécurité. Alors, je vais me planquer pendant que tu vas voir ce qu'il en est. Merci Sinclair, j'aime ton courage, disons, exceptionnel. Salut les gars, je me présente. Stan Poole du Rapture Tribune. C'était une belle feuille de chou dans le temps. Avant que les gens du coin lui trouvent un autre usage. Bref, j'ai un marché à vous proposer. Rendez-vous à la station. Je vous attends dans le poste de sécurité. Putain, mais c'est des putains de gamins ultra chauds, ça. C'était un gamin. Attends. Toi, dégage. C'est des gamins ou c'est juste des hommes petits? Le parc Dionysos était mon foyer, Delta. Wow. Une expérience d'union sociale. Oh putain. Interrompue brutalement par la folie humaine. À chaque pas que tu fais, tu profanes sa mémoire. Mais Lambe, putain, d'où tu me parles, franchement? Juste une chose. Lambe sait que vous êtes ici, mais moi je suis là incognito. Le truc, c'est que depuis que vous avez désengorgé le parc, les petites sœurs ont commencé à farfouiller partout à la recherche d'Adam. Et ça, je peux pas les laisser faire. Pourquoi? Là-dedans, il est pourtant mon gars, genre tu récupères Adam sur les cadavres. Attention. POUM! Bim, headshot! D'accord, je t'ai raté, c'est pas grave. Allez! Meurs! Je suis pas mes robots, putain! Ça va, mes petits robots? Oh, y en a un, il va pas très bien. Le truc, il est en train de décéder, il est incinéré, le pauvre. Alors, il y a quoi d'autre? On fouille un peu, voilà. Là, une seringue d'Eve. Ça, on va acheter. Une trousse de soins, allez hop. De toute façon, j'ai trop de fric sur ce jeu à chaque fois. Mais là, il y a. Ouais, on peut pirater le coffre, putain, ça a risqué. Waouh, tout l'orange qu'il y a. Sa mère, on s'enfuit, les gars! On s'enfuit! Putain, je vais perdre un robot, non! Même peut-être les deux. C'est pas grave, ils sont en train de se sacrifier pour moi. POUM! Je sais pas si elle a eu de l'espoir, elle, comment je l'ai pas laissé faire un truc. Oh là là, trop violent. Dépêche-toi surtout. Maman ne peut pas m'entendre, mais elle me regarde. Si tu voyais son visage. Alors attends, déjà ce robot, il a l'air. Bon, pas super en forme, mais il va pouvoir m'aider à les tuer déjà. Voilà, ensuite on va prendre ça, comme ça il se rapproche pas. POUM mon gars, POUM. Voilà, si t'avais pas compris la première fois. On récupère tout. Et notre petite tourelle qui va nous être utile, je crois qu'on est à la station. Et ouais, mais c'est parfait ça. Putain, je crois que c'est la tourelle la plus utile du monde. Salut Sinclair. Bon, ce n'est pas Sinclair. Les morts ne sont pas bavards. Mon cul, avec la dent, un Maccabée ça peut en dire long. Lambe sait comment lire dans cette merde. Si cet Adam parvient jusqu'à elle, demain ce sera moi la rubrique nécro. J'apprécierais que vous enterriez l'histoire du parc Dionysos, voyez? Débarrassez-vous des petites sœurs pour moi, à votre façon, et je déverrouillerai la station pour vous. Parole de scout. Par contre, sa bouche, elle s'arrête pas de bouger, ça c'est un peu mal foutu. C'est gros comme une maison. Ils auraient pu refaire les animes. Quelque chose. Cela dit, comme il s'est enfermé dans le poste de sécurité, on va devoir jouer le jeu. On n'a pas le choix. Trouve-nous ces fillettes. Ok, donc on va devoir se débarrasser des petites sœurs. Il me semble que dans ce niveau, il y en a, mais plus que beaucoup. D'ailleurs, attendez, pause. Oh, il y en a 6. Waouh. Bon, ça va me faire vla la dent, mais... Je vais péter un câble un petit peu. Mais arrête-toi, là. Viens mourir 2 secondes, parce que j'aime pas quand on fait ça. Ça me turlupine le troubillon. Oui, j'invente des mots chelous. Pas ici. Putain, mais c'est trop beau, j'adore cet endroit. Ils ont fait une sorte de plage artificielle là. Bon, ça devait être le petit bassin. Là, on va péter ce truc. Bim! Ah, je suis au max de trop de soins. Putain, je suis vraiment trop. Trop bien équipé. Hein. En plus, j'ai du. Comment dire? J'ai plein de fric. Putain, je suis en manque de rien, franchement. On va prendre ça, voilà, un petit peu dérivé. Donc là, c'est pour ramener une petite sœur, il doit y en avoir pas très très loin. Petite sœur, où te caches-tu, petite sœur? Il y a des postes à trousse de soins partout. Putain.
On va le laisser là, à mon avis, à un moment on devra faire demi-tour pour retourner à la station, donc on économise. Ouais, attends, c'est quoi, on va le laisser cramer lui. On va laisser faire leur bataille de Super Saiyan. Il est mort. Salut toi. Oh putain, c'est un mage niveau 22. Crève. Voilà mon gars. Dis-moi ce que t'avais. Ok, 3$, super. Un quoi? Tes mines de viande? Qu'est-ce que c'est que ça? Fusil à pompe. Là. Putain, position fétale le gars. Ah bah attends, je crois qu'il fait semblant de mourir lui. Non, il y a écrit cadavre. Je pensais qu'il y avait écrit Crozom. Cadavre. Voilà. Là, un journal. Et il y avait un truc là. Ah, on peut utiliser le piano, super. Mais c'est génial. Oui. Ah, d'accord. Allez, ramenez votre gueule. Ah, t'as déjà tu meurs. J'ai des robots avec moi? Non, j'en ai plus. Ah si, j'ai un petit robot. Depuis tout à l'heure, il me suivait, j'avais même pas remarqué. GG, petit robot. Mais tu l'as pas tué? T'es une merde, en fait. Attends, comment je fais, là? Il faut un truc... je suis rapide. Poum! Non, mais t'es sérieuse? D'accord, d'accord, d'accord. Je vois, viens ici. Mais viens là, putain. Mais elle est sérieuse de courir comme ça à chaque fois? Waouh! Elle est où? Elle est où? Elle est où? D'accord. Elle m'agaise. Je sais pas, elle est passée... Oh, wow! Oh putain, fusil à pompe le mec, il perd pas de temps. Vas-y robot. Crève mon gars. Crève, non mon robot il a explosé. Non. Qu'est-ce que vous avez fait robot? Qu'est-ce que vous avez fait à Wally, bande d'enfoirés? Tiens. Putain. Alors que je vais retourner me chercher un Wally volant maintenant. Wally volant, où êtes-vous? Toi, hop, merci. Là, boisson énergétique. Hey. Vous avez vu, on sait jamais si c'est de l'alcool ou pas. Moi, je ramasse une bouteille, ça ressemble vachement à une bouteille de bière. Mais non, c'est énergisant. Hop, 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 hop. Je suis encore max de trousses de soins. Putain, il y en a trop. Il y a trop de trousses de soins. Un jardin des glaneux, je crois que c'était celui où j'étais au début. Hein. Ouais, c'était celui-là. D'accord, donc là, j'ai juste fait un méga tour de la vie. Mais je n'ai pas croisé une seule petite sœur. Ça me paraît pas tout à fait normal, cette affaire. Je crois que j'avais pas ramassé ce que t'avais sur toi. Voilà, merci pour la termine de viande. C'est génial. Continuons par ici. Donc ça, j'avais déjà fait. Hein. Tac, 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 Crozom armé. Oh putain, oui, Crozom armé, il avait pas marqué cadavre. Putain, j'ai même pas... Wow, j'ai même pas branché. Hein. Crozom armé, alors, regardons ce qu'il a sur lui. Oh putain, au moment où j'ai compris comment j'ai eu un frisson dans tout le corps. Putain de possible. Tiens ta mère dans le cul. Allez merci pour les balles. Putain les phases de faire semblant d'être mort. Cadavre. Tant mieux. Je préfère les cadavres aux Crozom armés qui font semblant. Merci bien. Oh le harpon qui s'est planté dans le vide. Ah bah il y avait une amélioration d'armes ici. J'avais même pas remarqué. Chargeur amélioré. Non ça c'est nul. Efficience du carburant. Ouais je pense qu'on va prendre ça. Voilà. Parce que vraiment c'est la meilleure arme quand même la foreuse hein. Faut pas déconner hein. Ah bah tiens voilà on récupère du carburant en plus. Il y a un connard qui se ramène. Je vais lui faire une sorte de méga bon sur la gueule. Mais comment il va pleurer? Pourquoi je suis venu ici? Mais y'a rien là putain. Ça fait 30 fois que je fais le tour. Ah bah tiens. Lance grenade. Ouh. Merci pour le cadeau. Ah c'est clairement un cadeau. Regardez il y a les petits trucs là. Pour montrer que celle qui nous a offert. Hop là on pète. Hop là on pète. Tiens on va projeter de ça mais ça me dit que plus tard ça fera quelque chose. Je sais pas. Staff only. La porte elle est complètement retournée là. Je sais même pas si c'est une porte. Voilà fait un petit soleil c'est sympa. Là il y a des dollars. Là ça c'est la génothèque. Allez on passe par là bas. Donc là c'est le tram. Mais une fois dans le tram. Enfin bref je ne sais pas où sont les petites sœurs quoi. Là ça c'est un cul-de-sac, d'ailleurs je sais même pas pourquoi ils ont fait ce passage là. Ah pour avoir la carte d'accord. D'ailleurs on est où là? Après bon, on a bien avancé, là il y a deux rouges. À mon avis le tram doit pas être dans son meilleur état. Là il y a encore un truc de soin, bah putain. On sait qu'on risque pas de manquer de vie dans cet épisode. Par là. Donc attendez, où je suis pas allé? Là quand je vais en haut, ah déjà il y a une seringue d'Ève là. À ne pas manquer, voilà.
Une fois ici, qu'est-ce qui m'a fait faire un tour de malade? Je vais là. Donc ça. Une fois que je vais ici, si je vais ici par exemple. Oh putain, j'entends un salaud. Wow! Toi, tu vas m'appartenir, salope. Tiens, voilà, t'es avec moi. T'es avec moi? Mais non, je t'ai... T'es sérieuse? Tiens, voilà, maintenant t'es avec moi. Voilà, merci bien. Je peux te fouiller d'ailleurs. Je peux pas te fouiller. Wow. Mais ils sont vraiment moches, hein. Je suis moche. Bon. Là, c'est des balles. Putain, par contre, j'ai perdu v'là les PV en me prenant juste un truc de patate. C'est quand même une patate, mais bon, voilà, quoi. Vous savez quoi, on va se soigner. Voilà, pour 15$. Et plus tard, on récupérera toutes les trousses de soins. Putain, j'entends un connard de... Salut. Salut, toi. Poum. Non, mais tu te prends un harpon de 3 mètres de large, là, tu meurs un peu, quand même. Hein. Voilà. Putain, j'adore. J'adore. Je suis un putain de sadique de connard, mais j'adore. Voilà. Là. Merci pour les balles. Pas ici. Alors, encore des chiottes. Que des chiottes dans ce jeu presque. Toujours, t'arrives, il y a des chiottes. Bon, ça me paraît logique, hein, il faut bien qu'il y en ait. Mais bon, quand même. Là, hop, un plasmide dans les chiottes. Normal, c'est un fortifiant. Orage électrique. Donc ça, je connais à peu près. Je pense qu'on va échanger contre fin observateur. Là, on prend ça. Et donc, du coup, maintenant, je suis un peu perdu. Encore une trousse de soins. Mais putain, mais ils arrêtent pas. Par contre, j'ai entendu un connard. Ça va pas le faire. Mais vite, hop. Je viens de par là. Ah, j'entends un protecteur, ça y est. La voici. Regarde-moi comme elle est mignonne, l'amour. On va aller se battre. Allez, débarrasse-toi du gros et occupe-toi d'elle. Oui, du calme, monsieur. Allez, on va faire harpon piégé. Boum. Vite. Donc là, il va commencer à prendre des dégâts. Je vais utiliser la pellicule. Hop, pellicule, d'accord. Ça fait plafonnier, tant pis. Allez, on va faire le lance-grenade. Boum. Allez mon gars, ça déconne pas là, ça déconne pas. On ne déconne pas, monsieur. Putain, mais j'ai l'impression qu'il veut me foncer dessus, mais il y arrive pas. Parce que je suis à côté de la porte. Oh l'enculé. D'où tu viens, toi? Ah, dégage. Ah, il peut pas, il est bugué, ce con. Mais c'est parfait, ça. Pauvre monsieur P. Je te tue, hein, écoute. Voilà, je rate aucune balle, je prends bien mon temps. T'as la chance. Voilà, on recharge bien comme il faut. Putain, normalement c'est des combats de fou ça contre les monsieur P là. Salut, merci de te prendre les dégâts. Voilà, hop là. Ensuite on va te mettre on va te mettre quoi? On va te mettre les harpons. Comme ça je vais pas me rapprocher parce que je sens que ça va arrêter le bug et je vais me prendre des putains de dégâts. Et voilà, monsieur P est mort. Allez hop. Merci bien. Toi je t'adopte. Il va falloir adopter et récolter deux fois pour les chaque 6 petites sœurs. Truc de fou quand même. Plutôt malin, pas vrai? Vous la mettez au travail et vos veines se remplissent d'Adam. Mais vous êtes du genre taiseux, vous. Et ça me va très bien. Taiseux. Tiens. On n'avait pas encore sorti ce mot-là. Hop, on récolte là-dedans juste ici. Par contre, ils vont. Waouh. J'ai à peine lâché la petite sœur que déjà t'entends des connards. Déjà il peut pas, il peut y avoir personne derrière moi, j'ai vérifié là-bas hein. Donc vous vous foutez pas de ma gueule. Attendez, on va prendre une vidéo. Hop, tac, boum mon gars, allez vite. Oh ma vie. Oh, et voilà, les enculés, mais putain. J'étais allé là il y a 2 secondes, il y a personne. Vous vous foutez de ma gueule. Mais arrête. Trop de dégâts, trop de dégâts, trop de dégâts, c'est trop de dégâts les mecs. Stop. Toi, tu t'arrêtes. Toi aussi, tu t'arrêtes, s'il te plaît. Crève. C'est bien. Allez, on continue. Il est mort ou pas? Oui, il est mort. Allez. Toi, stop. Stop, j'ai dit. Tu touches pas la petite sœur, putain. Oh, les salauds, je perds trop de life. Boum. Boum. Tu t'arrêtes. Tu meurs. Tu t'arrêtes aussi. Décède, putain. Oh là là. Oh my fucking god. Arrêtez là, arrêtez. Je ne vous aime pas du tout. Boum. Allez, crame dans les flammes de l'enfer. Dans les flammes phosphoriques. Tiens, ça c'est le moment de te mettre un gros coup de foreuse dans ta gueule. Voilà, c'est bien. C'est pas possible. J'y crois.
crois pas, mais les mecs ils font vraiment les fous hein. Allez connard, viens ici. Ah je crois que la petite sœur c'est terminé. Viens la petite sœur. Allez. J'ai failli appuyer sur triangle, comment je... On va péter un câble. Tiens pute. Non, je bourrine. Crève. Toi, je peux te tuer avec quoi? Harpon. Boum. Oh là là, ce sniper. Viens là toi. Putain comment je l'ai planté sur le mur. Merci pour tout. Ensuite. Bah attendez, pourtant j'avais vérifié ces portes là et il y a eu des ennemis qui sont quand même, qui ont quand même spawn dans mon cul. C'est sacrément connard, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Alors déjà j'avais pas vérifié là, c'est ça. J'entends quelqu'un chanter. Oh, c'est horrible. Connasse. Crâne. Voilà. Et bim. Éventré. Seringue dev. Après ça, là, il y a quoi là? Un journal. Ok. Donc on va quand même retourner vers l'autre porte. Parce que je suis pas fou, il me semblait bien que c'était de la merde là-bas. Peut-être que j'ai raté un passage. Ils sont venus de par là. Et voilà, il y a rien ici, putain. Ils se sont foutus de ma gueule. Ils ont fait spawn des mecs de nulle part. Je déteste ça. On va demander à la petite sœur de me trouver l'autre récolte. Pourquoi ça marche pas? Attends, c'est possible. Ah voilà. Je sais pas, j'appuie sur carré comme un porc, mais ça voulait pas. Ok. On fait une feinte le truc. Attends, il y a quelque chose là. Merci. Par contre, il va me falloir un petit peu les trousses de soins. Là, wow, si ça pue le... Voilà, ça pue le plafonnier. Oh, comment je le savais. Allez, tombe. Voilà. Terminé, mon gars. Merci bien. Là, on va le fouiller d'abord. Et on récolte là-dedans. Putain, par contre, ça va être chaud, là. Ouh. Et ça va vraiment prendre 30 ans, hein, de s'occuper de toutes les petites sœurs comme ça. Oh, le salaud. Lui, il est mort, déjà. Boum. Boum. Allez, mon gars. Arrêtez de faire vos connards. Voilà, tu crèves. Voilà. Oh, je vais mourir. Voilà, c'est chaud. Meurs. Elle a pas fini, elle a pas fini. Faut absolument qu'elle finisse. Première arme distance. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça. Elle a fini, elle a fini. Viens là vite. Je te prends, allez hop. Je l'ai toujours en T2 à chaque fois. Non, il y a un connard. Je n'ai plus de trousse de soins, je n'ai plus rien. Descendons. La seringue dev, là il y a quoi? Il y a rien. On continue, on va voir. Alors déjà, il faut que je ramène la petite sœur quelque part. Oh les salauds. Oh les salopards. Yo, piraté, je t'ai dit, piraté, oui. Est-ce que les robots ils sont venus? Comme ça je peux peut-être les mettre avec moi. Attendez, ça, bah, merci bien. Bah, d'ailleurs ça m'arrangerait vraiment d'avoir des robots, des petits robots et hélicoptères avec moi, ça serait cool. Attendez, c'est un magasin quoi? Non, c'est juste des putains de munitions, j'en veux pas. Je veux de la vie. Alors eux ils font semblant, c'est cramé, il y en a qui font semblant ici. Ça c'est un cadavre parce que tous les cadavres ils sont pareils à peu près. Cadavre aussi. Non, elle est où la caméra? Ah non, elle a repéré un ennemi. Putain, j'ai eu peur, je pensais que c'était moi. Allez hop, alors c'est quoi ça? C'est un fortifiant. Apprenez à mieux connaître vos ennemis avec long métrage, vous aurez plus de temps pour étudier chaque cible. Je m'en fous de ça. Je m'en fous complètement. Donc là c'est bon. Les robots ils sont avec moi. Je vais voir si je peux pas complètement les pirater. Attends. Ça tue ou pas? Vas-y, attends. Donc lui, il est mort. On va pirater le robot pour qu'il vienne avec moi. Voilà, donc ce robot, il reste avec moi. Ensuite, on va ramasser
Ça, voilà. Oh, le connard, robot. Mais robot. Mais tu sers à quoi, le robot, putain? Tu as tué, robot? C'est bon. Putain, mais j'ai plus de vie, là. Il faut que je trouve un poste de soin. Poste de soin... Oh, non. Il y a un connard, tu l'as vu? Est-ce que tu as vu la belle quenouille? Putain, le ninja. Allez, robot! Il est où, ce robot? Robot! Il est où, mon robot? Sérieux? Mon robot a disparu? Oh non! Mais putain! Ah non, il est là. Mais qu'est-ce qu'il fout, là? Ah, il y a le poste de soins, vite. Pas d'ennemis, s'il vous plaît. Soin! Yes! Oh le connard! Oh le connard qui se téléporte! Un putain de connard qui se téléporte. J'ai des cartouches blindées, mon gars, fais attention. Si tu crois que c'est pour moi que je récolte là-dedans. Ils sont sérieux, hein? Delta. Est-ce que c'est des copains? Copains? Ce n'est pas des copains! Un rêve qui n'a pas besoin. Connasse. Ni de tour de passe-passe. Je t'électrocute. Oh merde, ils se téléportent. Putain, j'aurais dû les tuer avant. Mais sérieuse? C'est pas une barre de vie que t'avais là. Hein? Pourquoi elle est pas morte? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, monsieur. Très bien. Crève. Hop là, merci pour tout. Ils sont chelous, ces mecs là qui dansaient. T'en démontes ta gueule. Crozom Houdini. D'accord. Hop. Une bière vieille hirondelle. Là, il y a du fric. Putain, je suis à plus de 500$. Hop, une nouvelle trousse de soins, c'est parfait ça. C'est un conteneur ça, c'est de la merde. Tac, tac, voilà. Là, je pense que je vais, voilà, je vais être un peu bourré. Là, on va péter ça, non? On le garde pour l'instant. Ah, mais c'est une zone inutile, d'accord, donc on va péter. Hop là. Merci pour la trousse de soins. Mais du coup, il y a vraiment rien à faire là, ça me paraît bizarre. Ah, voilà, par ici. Ah, on récupère. C'est fermé. Commande de porte. Oh là là! Cette gérance! Attendez, il va falloir encore hacker des trucs par contre. Donc là, je bois ça. C'est quoi cette merde? Oh, il y a eu un bruit chelou. Laisse-moi passer. Chevrotine phosphorescente, une trousse de soins, ça c'est quoi? Ok, à prendre le poker, il y a un truc, classeur. Oh! Des harpons dans des classeurs, et eh ben. C'est pas des rigolos. Eux. Oh, tout l'alcool qu'il y a ici. Oh merde. Oh la salope. C'est pas ton bar, c'est à tout le monde ici. Merde. Qu'est-ce que tu fais, le salaud, voilà. Pas le malin avec moi. Putain, mais c'est ça le truc, c'est l'intelligence artificielle de ce jeu, putain, elle est magnifique. Les mecs, ils font. Y'a quelqu'un ici? Alors que t'es juste en train de fouiller, putain. Les mobs, ils sont énormes, j'adore. On est vraiment ultra immergé. On a l'impression, limite, c'est d'autres joueurs, quoi. Alors là, ça va être super chaud. Sa mère, c'est pas grave. Putain, toi, déjà, tu vas être à moi, con de robot. Alors, attends. Tac. Non, c'est pas le bon. Fuck. Oh, putain, non. Il est où, le robot? Il est où, le robot? Arrêtez de vous tirer dessus, soyez gentil. Allez, hop, robot avec moi. C'est bon, on est deux copains. Faites pas attention. Je pirate encore le coffre. Concentration. Fais chier. Fais chier. Oh, putain. Il doit avoir les meilleurs trucs de l'univers dedans. Fais chier. Pas possible. Bon, tant pis, fuck. J'ai perdu trop de trucs là. J'y crois pas, mais c'est quoi ces putain de trucs impossibles à choper, hein. Allez hop, ça je désactive. Voilà, merci bien. Est-ce que je peux avoir de nouveaux robots avec moi? Ça serait cool. Je peux pas les pirater, dommage. Putain, de voir deux robots neufs comme ça alors que les miens ils sont en train de cramer déjà. Je peux même pas les récupérer. Hop, merci pour les rivets lourds. Là. Pas besoin de se soigner.
Ah mais pourquoi il commence à cramer lui? Il cramait pas avant. Il était juste noir. Fuck. Il va détruire tout seul je crois. Hop voilà. Ah mais il me bloque pas. Ah bah attends, ça c'est un truc ça m'a accès, ça me fait accès à quoi? Cool. Ça, merci bien. Par contre là il y a une tourelle, elle est à moi cette tourelle. Ouais je l'avais prise. Putain mais les robots me gênent. Ouais. On n'a pas franchement avancé là, on a récupéré qu'une seule petite serre depuis tout à l'heure. C'est pas rentable tout ça. Je crois que je suis pas allé là encore. J'aurais peut-être pas dû y aller. Sérieux? Ah j'ai plus de moteur. Enfin j'ai plus de carburant. Ah bah il est mort, d'accord. Merci pour les dollars. Ok, y a rien ici. C'est pas génial tout ça. Putain, j'ai trouvé qu'une petite sœur de merde. Il en faut fucking. Mais ça a pas bougé. Ah, je l'ai pas ramené la petite sœur que j'ai sur mon dos. Elle est toujours sur mon dos depuis tout à l'heure. Attendez, c'était où pour la ramener? Où est-ce qu'on ramène les petites sœurs? Ah bah voilà, juste là. Allez, on te sauve. Au revoir, petite sœur. Papa, la dent que tu as trouvée contient les souvenirs de tous ces cadavres. Normalement, seules les petites sœurs peuvent les voir. Mais je peux te montrer ce que veut cacher Stanley. Lorsque maman a été arrêtée, c'est Stanley qui a pris la direction du parc Dionysos. Il a dépensé tout son argent en réception démente. C'était comme s'il essayait de la ruiner. Super. Tout va bien? S'agirait pas de perdre le nord, l'ami. Trouve-moi les autres gamines. Putain, mais mon gars, il en reste 5. 5! On va y passer notre vie. C'est pas possible. Oh putain, j'entends des connards. Ah, dégagez. Tu sais, Delta, c'est rien qu'un numéro de série. J'ai fait pas mal de recherches sur toi pour un article. Pierre-Roland Clume, qu'on t'appelait. On disait que t'avais trouvé la ville tout seul dans une cloche à plongeur. C'est ignoble ce qu'ils t'ont fait. Super. C'est quoi ce vieux casque là? Les filles que tu as sauvées des griffes de maman t'ont laissé un cadeau, papa. Va voir au jardin des glaneuses. Ah bah voilà, j'ai suffisamment sauvé de petites sœurs, ils m'ont enfin offert un cadeau. Bah putain, ça fait plaisir. Allez, on va voir ça. Putain, j'espère que c'est un beau cadeau là, comme on avait avant. Les cadeaux de fou qu'on nous offrait. Alors... le jardin des glaneuses, il est où? Putain, je sais même plus où il est. Bon bah on finira bien par le trouver hein. Mais là il faut trouver d'autres protecteurs, les buter et récupérer la petite sœur. Donc là déjà s'il y a rien. Enfin, j'entends encore un connard. Alors attends, on va utiliser les rivets. Les rivets. Voilà. D'accord. Crève. Comment ça se fait que tu prends aussi peu de dégâts? Ah parce que t'es... D'accord. T'es un putain de téléporteur, voilà. Elle est où? On va vite se barrer d'ici. Et putain, voilà, je fais que de redescendre. Il y a pas le... Attends. Ouais, c'est ma caméra. Y'a plus de protecteur, c'est quoi cette merde? Ah là, y'a des trucs. Tac, 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 tac. C'est cool ça. Voilà. Là, on peut fouiller, super. Pousse de soin, on récupère tout ce qu'il y a ici encore. On est bon, allez, on se tire. Ok. Attendez, on va acheter des munitions un peu parce que ça le fait pas. On va s'acheter. Qu'est-ce que je peux acheter déjà ici? Je peux pas acheter des rivets? Merde. Je peux acheter que des rivets lourds.
Mais j'ai pas très envie d'acheter des rivellos en fait. Bon bah on va acheter des balles comme ça, voilà. Allez, on continue. Je suis déjà venu là. Un film qui est diffusé. Non mais ce qui me saoule un petit peu là, c'est que bon bah je sais pas où se trouvent les autres protecteurs quoi. C'est un souci assez important, faut dire. Là j'ai encore mes deux robots. Ils sont encore en vie. Allez, on continue par là. On va redescendre. Putain, c'est chiant là. Non, donc ça c'est la scène, c'est le cinéma. Donc qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Oh bah alors toi, t'es pas mort? Oh bah on va te laisser crever hein. Voilà, là t'es mort. Alors, une vieille chaise de merde. Un loup. Entrée de la galerie, c'est génial. Par ici. Non, là je retourne. Attendez, c'est quoi? On va y aller. Au tram. Voir ce connard et lui dire: oh, y'en a marre là. Y'en a marre. Tout complet? Laisse-moi rentrer. Putain. Ah, ils m'ont fait des cadeaux. Oh, des cadeaux. Par ici. Peut-être qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Absolument pas. C'est génial, dis donc. Attendez, il n'y a pas une carte? La carte. Ah, bah voilà. Alors, elle est où, la petite sœur? Pas là. Donc, attendez. Il y a une petite sœur ici. Et une petite sœur là. Donc, il faudrait que je continue tout droit. Tout droit, en fait. Attendez. Tout droit par là, donc. Une fois que je rencontre un obstacle, je vais être obligé de faire droite, puis droit, gauche, et encore tout droit. Oh bah voilà, ça va m'aider ça, super. Pas ici. Espérons qu'on va pas encore croiser plein d'ennemis, c'est un peu chiant. Là, on va s'acheter des trousses de soins. D'ailleurs, elle en a lâché une gratuitement. Je veux pas pirater, je veux acheter. Tac, tac, tac. Et ça ne vend toujours pas de rivets, cette merde. C'est pas grave, on continue. Parce que les rivets, c'est ultra rentable quand même. Hein. C'est pas cher et... Et niveau dégâts, vu que j'ai fait exprès d'améliorer les dégâts, bah, c'est pas mal. Donc là, je fais ça. Là, je vais aller là, sauf que je vais d'abord récupérer... Non, mais je peux pas, j'ai plus de place. Putain, mais il y a des trousses de soins, en fait, de partout ici. Si je vais là, voilà, il fallait que je continue tout droit par ici ensuite. Et là, il devrait y avoir une petite sœur. Ah, attendez. Encore un peu plus loin, il y a tous ces connards là déjà. Je vais utiliser les rivets lourds. Ah donc lui il meurt ensuite. Toi tu crèves aussi. Et voilà, parfait. Merci pour tout. Toi t'avais rien sur toi. Oh c'est un semblant, il fait semblant. Oh il fait semblant. Tu fais semblant? Non. Attends. Quand je tue un putain de salaud de Crozom. Il y a écrit Crozom ou cadavre? Non, il y a écrit Crozom, donc je l'ai bien tué. Allez, on continue par là. El Bandito. Ah bah voilà, il est là, le monsieur P. Ah, attrape-la. J'espère que son garde du corps n'est pas une de tes vieilles connaissances. Allez, crève, monsieur P. Oh putain, il fuit. Oh, zéro respect pour les monsieur P. En plus, c'est Monsieur P est plus stylé, ceux-là. C'est emblématique de la série. Premier robot, comment ils se sont fait arracher la gueule, par contre. Et pourquoi le mec, il lance des boules de feu, il me tape moi à tapelote, s'il te plaît. Oh, il y a une caméra ici. Attendez. Je vais essayer de la pirater. Ça me sauverait bien la mise. Autopiratage, vite. Boum. Yes, allez, la caméra. Vas-y, nique-les. Toi. Oh le salaud. Allez les robots alliés. Tapez ce connard. Je vais les pirater pour qu'ils soient avec moi complètement. Voilà, un avec moi. Putain les salauds. Mais meurs toi. C'est pas possible. Wouah. C'est quoi ce bordel? Le jeu il tient même plus, la PS3. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, il est déjà avec moi celui-là. Toi, viens ici avant de te barrer. Non, robot copain.
Ah bah non, je suis pas encore. Il y a encore un connard. Mais viens ici, mais c'est pas possible, il me fait des phases ce robot. Bon, tant pis. Allez, on récupère ça. Ensuite. Ah bah tiens, il y a la petite sœur, j'ai oublié. J'ai failli oublier. Le truc le plus important. Donc j'ai l'impression qu'il faut en récupérer que 3 de petites sœurs. Enfin, que 3 c'est déjà pas mal, mais 6 c'est beaucoup plus. Allez, récolte là-dedans ici. Putain, ça va être chaud. Allez, concentration. Au moins, il y a la caméra avec moi. Et un robot. Allez, lui il est mort. Après. Oh non, elle se fait taper. Putain, ma vie. Ah, crève. Hop, les balles antipersonnelles. Tu meurs rapidement, s'il te plaît. Il meurt, c'est pas croyable, ça. Tiens, dégage. Putain, mais y'en a aucun qui s'est fait repérer. Wow. Sérieux avec des grenades, toi? Je vais te mettre quoi dans la gueule? Voilà. Hop, 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 hop. La petite sœur a terminé. Allez, viens ici. Oui, je te sauve toujours des méchants monstres, connasse. Hop, par là. Hop, on récupère ça, voilà. Ensuite, il faut récolter de là-dedans où encore? Wow, wow, wow. Où ça, où ça, où ça, où ça, où ça? Je suis... Attends, on va les amener sur la caméra parce que fuck. Viens là, plafonnie. Viens, 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 viens. Voilà, vas-y, la caméra. Allez, parfait ça. Tiens, dégage, connard. Allez, robot. Toi, je te pirate. Avec moi, le robot. Viens ici, toi aussi. Oh, comment il a déconné, ce robot-là. Regarde, regarde, il y a encore un connard ici. Putain de merde. J'ai plus de vie, j'ai pas de vie, j'ai... Qu'est-ce que je fais? Mais fuis. Non, c'était quoi ça? On a entendu une sorte de... Je meurs. Ah, pardon. Allez, ouvrez ces portes. Où est la petite sœur? Normalement, elle m'attend toujours dans la... Voilà, elle est là. Elle est ici. Alors, attends. Indique-moi où est le... la récolte. Par là. C'est ça? C'est par où? D'accord, ils m'ont fait une sorte de... de feinte, là. Oh, c'est le cadeau. Merci pour le cadeau. Bien heureux parents et petites sœurs que vous adoptez récolte légèrement plus d'adents. Ah, c'est vraiment utile par contre. On va le faire à la place de sportive. Et là, ils m'ont donné 80 adents. Et je vais pouvoir peut-être m'acheter des améliorations. Pas du tout. Je voulais des améliorations de santé et dev comme d'hab. On s'en fout la petite sœur là. Oh merde, je me suis bourré la gueule. Oh non, mais je voulais choper autre... Je croyais que c'était un truc à côté. Bon bah voilà, je suis complètement pompette. Alors pas ici. Putain, c'était que des poissons, comment j'ai eu peur un peu. C'est quoi ça? Oh super, seringue dev. Plus du carburant pour foreuse. Je pense qu'on va... Non non mais non, parce qu'il faut que je récupère sur un cadavre. C'est où? Là il y en a une. Corrige-moi ce gros crétin de courrier. Attends, attends, attends. Déjà il faut que je récolte sur un cadavre. Putain, mais ça se déplace ultra lentement là. Comment ça se fait que ça se déplace aussi lentement? Parce que j'ai enlevé le truc qui me permettait d'aller un peu plus vite. Ouais, c'est abusé, ça va à 1 km/h, même pas. Je laisse le progrès détecteur taper tout le monde, hein. Je viendrai le chercher plus tard. Oh non, je vais le booter maintenant, c'est plus avantageux. Il a déjà perdu pas mal de vie. Ou qui se régène. Voilà, tu te calmes. Ensuite, j'ai quoi? On va. Ah, j'ai des grenades, super. T'arrêtes mon gars. Crève. Mine de proximité. Mine de proximité, génie. Crève. Tac, tac. Et bim. Donc là il y a une petite sœur de merde. J'en ai déjà adopté une, donc on va la laisser là comme une conne pour l'instant. Tant pis pour elle, hein, j'ai envie de dire. On va ce soin là.
Et on va redemander où se trouve le cadavre. J'espère que ça va aller plus vite cette fois. Ah voilà, c'était un bug tout à l'heure, je me disais aussi. Ah bah c'était juste là. Allez hop, on récolte. Putain, merde, le cadavre était juste là, j'aurais dû laisser Monsieur P, il aurait tapé tout le monde. Merde alors. Et là j'ai plus beaucoup de vie en plus. Ah je suis con. C'est ce que je voulais faire au début, mais je me suis dit, bon finalement le cadavre doit pas être là, donc ça sert à rien. Je vais me soigner full ici à chaque fois. Arrêtez-vous. Il y a quelqu'un qui est en train de faire chier à petite sœur là. Tiens, dégage. Oh là là, c'est chaud. Oh là là, merde. Ah, j'ai plus de place speed, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir. Non, putain, si proche du but. Dégoûté. Oh putain, j'arrête pas de mourir, ça me saoule. Bon, on va récupérer la petite sœur. Voilà, viens ici. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On a déjà fait 45 minutes. Quoique non, je sais pas. Non, on va quand même terminer de... Au moins cette petite sœur. On va au moins récolter complètement cette petite sœur. C'est pas grave si on fait un peu plus long, on a déjà fait. Attends. Indique-moi, il faut aller. Par ici. Je te suis, ma petite sœur. Par là. Ouais. Ensuite, on tourne. Ils auraient pu vraiment le faire aller plus vite quand même. Hein. T'as là, mais il fait une sorte de feinte. Ah, juste là. Allez, hop. Là, ça va être chaud. Ah, j'ai encore... Oh, putain, je les appelle le fait que j'ai pas de vie. Fais chier, c'est trop dur ce jeu. Attends, attends, il y a sûrement un truc à faire, là. Quelque chose pour me donner de la vie, je sais pas. Oh non, pas le magicien. Tiens, dégage. Voilà, merci bien. Je ne touche pas à la petite sœur. Bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas faire mon bond là, c'est quoi ce délire? Dégage toi. Non. Bon, je crois qu'on va vraiment s'arrêter là finalement pour l'épisode. En plus, je commence à fatiguer, je vais pas réussir. Je ne suis pas à mon maximum de concentration et ça se comprend suite à tout ça. Allez, on va... Mais arrête de pleurer, petite sœur. Allez, viens ici. Voilà. Donc bah voilà les amis, on va se laisser là pour cet épisode BioShock 2. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss et à la prochaine.